Et tout le monde, vous restez bien les uns derrière les autres. Petit changement d'habitude. À 4 jours du Grand Prix, Isabelle Pacaud a dû modifier son programme d'entraînement. Les séances, généralement prévues dès 6 heures du matin, ont été reportées en fin de matinée pour laisser à la piste le temps de dégeler et offrir aux chevaux un terrain de jeu adapté. On va entre 20 km heure jusqu'à 60 km heure maximum. Donc il faut faire très attention sur le terrain sur lequel on le fait travailler. Donc c'est pour ça que c'est très important que la piste soit bien entretenue. Parce que quand un cheval, vous savez, ça c'est de la physique, hein, quand un cheval il va vite, il peut se faire mal si le terrain n'est pas bien travaillé. Dès 5 heures du matin, les tracteurs et leurs haies sont modelés la piste. Des allers-retours incessants pour préserver la santé des chevaux. Après un bon échauffement, le froid ne perturbe pas les purs sangs. Le savoir-faire et la résistance des jockeys font le reste. Nous, on se couvre, on pense plus à eux qu'à nous. On se couvre, on a froid, mais on a signé pour ça, donc on fait notre boulot. Pour lutter contre le froid, même l'hippodrome a dû se couvrir. Les commissaires de course ont longuement inspecté le parcours. Finalement, toutes les réunions prévues cette semaine sont maintenues et 6 hectares de pistes ont été préservés pour le 130e Grand Prix de Pau dimanche. On a mis de la bâche de maraîcher sur beaucoup de parties, si vous voulez, abîmer des pistes ou solliciter des pistes, des appels à réception, les intersections, les virages. Et c'est ce que nous regardons actuellement. Le froid ne devrait donc pas perturber le Grand Prix de Pau dimanche. Vainqueur l'an dernier, Isabelle Pacaud pourra même défendre son titre avec 5 chevaux au départ.